Bonjour les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, démo, découverte et peut-être même un tout nouveau let's play. On verra si le jeu me plaît. Donc c'est parti pour découvrir Chia, un jeu inspiré par la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est parti. Commençons l'aventure de Chia. Caresser les animaux. Ok. On aura un lance-pierre, ok. C'est parti, hein. Refuge pour orphelins et enfants perdus. Un de plus, et c'est nous, à mon avis. Enfin, quoi que. C'est joli, hein. Les musiques sont belles, hein. Pour l'instant, on ne voit pas. À moins que ce soit nous, là. Oh, c'est un petit garçon, plutôt, non? Les sous-titres sont un petit peu grands, quand même. Hein. Ah voilà, on raconte notre histoire. Ah bah voilà, on est là. Donc on est sur PlayStation 5, mais le jeu est également disponible sur PlayStation 4. Et je sais pas s'il est sorti sur PC ou sur Steam, faudra vérifier. Ah, c'est notre anniversaire, lance-pierre. Alors, L2, R2, bon, classique, ok. Titiller les objets, les personnages, les animaux, ok. Bon, on l'essaye, hein. Chapitre 1, Uma. Tirer sur une autre coco, très bien. Ah mince, pourtant il y a le rond, attendez. Ah oui d'accord, je dois mettre le... là. J'avais pas vu le petit point. Alors, ça y est, on peut se déplacer. Bah, les sous-titres sont un petit peu gros quand même. Hein. Attendez, je vais quand même régler les sous-titres parce que là, ça va pas le faire. Option. Je ne le vois pas. Tout le mouvement. Il n'y a pas les sous-titres ici? Taille des sous-titres.
On va les baisser, hop, sauvegarder. C'est quand même mieux, voilà. Ah, il y a une carte ici, d'accord. Comment je me suis... Retrouve ton père sur la falaise. Comment je me suis accroupi? Ok, carte complète avec ça. Ok, donc on a une carte, très bien. Le symbole de Chia pour l'instant, je ne sais pas, je le vois pas trop. Ok. Comment je me suis accroupi? Merde, voilà. Ah oui, c'est... Ah, j'ai glissé. Ok. On va essayer une autre coco. Je veux des autres coco, moi. Je peux les récupérer au moins. Carré. Ah d'accord. Stocké. Retrouve ton père sur la falaise. Ah d'accord, ok. Mais attendez. Donc, je me sers de la carte. Parce que là... D'accord. Ok. Ah, là, il y a un petit feu de camp, on y va. Ok, donc là, je suis sur Uma, là. Et je dois aller où, moi? Je peux mettre un marqueur ou pas? Je dois aller là, peut-être. Là où il y a la flèche, non? Je sais pas. Dormir, manger, changer de tenue. À mon avis, on en a qu'une au début, je pense. Ah, peut-être qu'on a un chapeau. Ah, on va mettre le bandeau, j'aime bien. Ah, celui-là, il est joli. Des lunettes. On va pas en mettre. Ah, on peut choisir sa coupe de cheveux. Yes! J'aime bien celle-là. Ok. On lui met un collier. Je vais mettre les bracelets aussi. Et le sac. J'aime bien celui-là. Bon bah voilà, on a changé notre, un peu notre perso. On va dormir. Peut-être que c'est un cycle jour-nuit. Je pense que ça sert à ça, les feux de camp, à mon avis. Manger, à voir ce qu'elle fait. Elle a mangé tout le poisson. On va redormir parce que la nuit, ça va être un peu galère pour se repérer. Donc, faut qu'on retrouve notre papa. Très bien. Donc, bah, on s'en va. Ah non, toujours, on est toujours la nuit, hein, c'est pas grave. Je peux sauter aussi avec ça. Par contre, la carte, j'ai toujours du mal de me repérer sur les cartes. J'aime bien les mini trucs, les mini maps. Là, il y en a pas. Ah, punaise, elle escalade tout. Nouvelle entrée. Ok, figurine. Ah, là, il y a un truc. Ah, oui, d'accord. C'est un mini-jeu, mais on n'a pas le. Bah, si, on l'a le truc. Peut-être qu'il faudra que je m'apprenne à tirer avant. Hein. Bon, je dois aller par où là, du coup? Parce que, au final, attendez. Stocker. Moi, je stocke tout. Hein. Hop. Hop. J'arrive même pas à repérer où je suis. Moi, je suis là, non, normalement. Ah, je dois aller là, peut-être. Je sais pas. Je me repère pas du tout sur la carte, en fait. Attendez. Défi stand de tir, figurine, feu de camp, d'accord. Je dois aller où? Ah, faut rester dessus, ça s'est affiché. Ah bah ici, il est là. Attendez, hop. Nous, on est... D'accord, il est là en fait. Je vais mettre un point là. Mais sur la carte, il n'y a pas le point. Il s'affiche pas. Merde. Donc là je suis ici, faut aller tout au bout. Bah, on va se débrouiller comme ça. Parce que pour l'instant la carte, j'ai mis un point mais ça ne l'affiche pas ici. Pourtant j'avais choisi d'afficher la TH. Pourquoi il... Bon c'est pas grave. Ça doit être par ici.
Voilà, on est arrivé. De toute façon, on se presse pas, c'est un jeu où il faut prendre son temps. Point de vue. Ah d'accord, yes. Oui, et au pénin. Ah yes, approche-toi du point de vue, crier et on met à jour la carte. Découvre les alentours en criant depuis les points de vue. D'accord. Les points d'intérêt proches sont alors marqués sur la carte. Yes. C'est sympa. Ah, c'est original hein, comme truc. Ah, c'est top. Ah, c'est rigolo. Ah, ça y est, yes, on a déjà le planeur, trop bien, la paravoile. Le planeur, sauter, planer, bon, bah, toujours avec croix. Ok, ralentir une chute, parcourir de longues distances, bah, comme une paravoile, quoi. Tressé, pardon, par le père de Chia avec des feuilles de cocotier. Bah, c'est parti, hein. On essaie, hein. Yes. Ah, par contre, faut faire attention. Oh là là. Ah, on est dans l'eau. Yes. Est-ce que je peux plonger? Ça aurait été bien. Oh, yes, on peut plonger. Waouh. Super. Oh, il y a des trucs là. Perles, je peux? Oh, trop bien, on récupère plein de trucs. Par contre, ah oui, il y a une jauge, il y a une jauge. Oh punaise, faut pas que je me noie. Ok. Ok, retrouve ton père près du feu de camp. Bah, le feu de camp, j'ai déjà fait, donc je sais où il est normalement. Nouvelle entrée, poisson, ok, macro, très bien. Il est où le feu de camp déjà par contre? Je me souviens plus. Ah oui, pas par là plutôt. Mais la carte, elle est bizarre quand même, hein, parce que je zoome. Attendez, oh, il y a un truc là. Attendez, je vais enlever la carte. Yes, il y a des trucs là. Coucou. Elle danse. Là, elle est pas contente. Ah là, elle regarde au loin. J'adore. Ok, donc je disais, la carte, elle est pas très pratique, moi je trouve. Parce que là, on peut même pas zoomer. Il faut absolument l'agrandir en faisant ça. On l'agrandit ici. Donc là, c'est nous. Je peux virer le point rouge du coup. Enfin, l'épingle. Et le feu de camp, il était là. Donc je mets ça. Et par contre, quand on retire le truc. J'ai compris ça. Et en fait, on peut lui demander où on est et elle répond en fait. Et là, je vois pas du tout le. Là, c'est quoi? On peut stocker tout ça? Je vois pas l'intérêt de récupérer tout ça, moi. On peut la lancer aussi. Ok. Bon, je vais retourner voir le papa, hein. Attendez. Voilà, c'est ici. Faudra que je regarde quand même si j'ai bien activé le. Si j'ai bien activé la TH. Parce que là, je vois pas les points de quête s'afficher sur la carte. Et avec mon sens de l'orientation un peu merdique, ça va poser problème. Fougère séchée. Très bien. Gameplay de rythme fougère séchée. Ok, donc faut que j'attende l'icône. Je joue la note. Ou alors après, on joue automatiquement avec le joystick. Ok, c'est utilisé comme instrument de musique, bah du coup oui, hein. Essaye de valider l'icône en rythme. Ok, bon on essaye, hein. Si vraiment on n'y arrive pas, on fera automatique. Ok, c'est carré. D'accord. Ah, c'est sympa! Pour ceux qui connaissent Guitar Hero, tout ça, c'est un peu le même principe, donc ça va. C'est pas trop compliqué, c'est nickel.
Ah, c'est chouette, le gameplay est vraiment interactif. Hein. Merde, j'ai raté. Ah, c'est cool, on n'a pas encore le ukulélé hein, de la bande-annonce, mais c'est vraiment top. Par contre, je sais pas si c'est à l'infini ou si je dois arrêter. Ouais, c'est la fin, je pense. Pas encore, non. C'est pas la fin. Sur la fin, je cafouille un peu. C'est la musique du jeu, ça. Merde. C'est pas mal, hein. Ça me fait penser donc à Never Alone aussi, le jeu avec le renard et la petite fille. Donc je dois récolter deux autres cocos. Ah non, attendez, c'est quoi la quête? Je dois récolter. Alors, donc j'en ai déjà une, un tarot, bah ça j'ai déjà fait, j'en ai une aussi, et une figurine. Alors les figurines, elles sont où? Une là. Moi je prends tout, hein, ça peut servir. Ah oui, et là on voit tout ce qu'on a nous. D'accord. En bas c'est pour les. Voilà. Et là on a tout ce qu'on a nous. Mais comment je fais pour choisir? Ah merde. Bon bref, est-ce qu'on peut la manger? Triangle. Notre coco. On va prendre notre coco. Yes, stocké. Et après, je retourne au potager. Ah bah c'est tout. J'ai tout. Stocké, je peux plus, j'ai plus de place. D'accord. On va manger du coup. Bim. Alors, il est passé où, lui? Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Un gros rocher. Pousser. Elle est trop forte, elle le pousse sans le toucher. Ok, bon, il est où, lui? Sur le ponton, ce coup-ci. Merde. Là-bas. C'est joli, en tout cas. J'arrive. Récupérer le bateau. Ah,
Pedro, tu nous gagnes bien. C'est beau la petite fleur. C'est sympa. C'est mignon. Une fleur de tiare sur l'oreille droite symbolise un cœur à prendre. Ah, c'est joli. La fleur doit passer sur l'oreille gauche pour symboliser leur amour. Ah, c'est joli, hein. Ah, on va rejouer. Ou pas. J'ai fini une paix. Ah merde. J'allais dire, il y a quand même une histoire et tout. Hein. J'avais peur que le jeu soit un petit peu... que l'histoire soit un petit peu au second plan, mais il y aura quand même une histoire. Ah, donc ils se connaissent déjà. J'ai un mauvais pressentiment pour le papa là. Voilà. Yes. Ah, on est devenu le couteau. On est devenu le couteau. Ah, trop bien. Je savais qu'on pouvait posséder les animaux, mais les objets aussi. Pas mal. Ah merde. Ah oui. Ah, c'est pas cool ça. Salto. Faire des saltos dans n'importe quelle direction. Ok. On peut réussir des plongeons. Yes. Il y a le bateau. Ok, donc il nous a sauvé, il nous a soigné, très bien. Deux perles. Donc faut que je plonge, du coup. C'est bien, j'en ai déjà une, déjà. On va plonger, du coup. Ah oui, il y a un point de vue. On va essayer de monter. Donc je saute, elle monte pas, elle grimpe pas aux échelles, c'est bizarre comme truc. Ah ouais, elle grimpe carrément là, elle.
Chili. Alors, bah, on va essayer de récupérer une terre, là. Hop. Je me lâche. Voilà, bim. Elle plonge toute seule. Oh merde, mais j'ai plus beaucoup, là. Ah oui, c'est la même jauge, en plus. Ah, c'est la même jauge pour planer que pour nager, en fait. Sauf que je sais pas si on peut nager plus vite ou pas. Pour l'instant, on nage pas très vite. Remonte, remonte, chien, remonte vite. On va mourir. Je crois que j'en ai vu une là-bas. Allez, vite. On ne meurt pas. On ne meurt pas. Je veux une perle. Et on remonte. Allez. On n'a pas beaucoup de temps là. Hein. Allez, allez. Je vais mourir. Ah non, ça va, on meurt pas, d'accord. Par contre, on a plus beaucoup de... Bon, c'est un petit jeu tranquillou, moi j'aime bien. Voilà, le ukulélé. Yes. Il a l'air cassé quand même. Hein. Peut-être qu'il faut le réparer avant. Choisir un accord. Jouer la note. Et sinon, on jouera automatiquement. Bah, je pense que là, si j'y arrive pas, c'est ce qu'on fera. Ça a l'air plus compliqué. Ok. En rythme avec l'icône. D'improviser. Ben, ok. Allez, hop. Au pif en fait là. Ah oui d'accord, ça y est, ça arrive. Ah oh, c'est pas simple hein. C'est sympa de pouvoir le faire automatiquement comme ça pour même les enfants qui vont galérer, mais c'est chouette comme truc. Merde, j'ai loupé. Ça score quand j'ai plusieurs notes. En plus, je crois que le jeu est dans le PS Plus pour le Premium ou le Premium ou l'Extra, je crois, ou les deux. Merde, j'ai loupé. Ah merde, là aussi. Surtout, ça peut être sympa si on débloque des morceaux dans l'aventure. Et quand je loupe, elle sonne faux. Mal quand même, ça va. Sur la fin, je cafouille. Ah, c'est pas fini. Enia, 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 Enia.
pas mal sur la fin au final quand même. Merde. D'ailleurs, ça marche avec croix. J'ai fait carré, mais ça marche avec croix. Ah, 88% quand même, j'ai bien réussi hein, la musique. Par contre, le début, je pense, il est un petit peu long à se mettre en place. Il faut fuir. Ok, bah on s'en va du coup. Hein. Il va laisser le bateau. Meavora. C'est quoi, une île, une personne? Meavora. Neni jana home la nani do. Lua kuhela o masache. Amela at ati katasana kimi. Che ime masai njadile. Pui dua lede. Amela basila ya meavora. D'accord. Non, c'est bien, il y a quand même une histoire. Il y a quand même une histoire, ça c'est top. Bah voilà, il nous laisse son bateau. Je le savais. Bah franchement, pour l'instant, il me plaît bien ce petit jeu. Donc, est-ce que j'ai récupéré le ukulélé? Il me semble que oui. Peut-être quand je peux faire. Ah oui, il y a toujours pareil. Ah, on peut jouer du. D'accord, jouer du ukulélé, changer de tenue. Très bien, très bien. J'ai bien envie de voir ce qu'on avait quoi comme tenue déjà. Je vais lui mettre un t-shirt. Ouais, c'est super. On n'a pas grand-chose pour l'instant. Je vais laisser la robe. Bim. Hop. Bon bah c'est parti, on y va. Hein. On peut empiler des pierres. Ah, c'est chouette, des petites activités annexes comme ça. On vise, on oriente la pierre avec le joystick de droite et on lâche la pierre avec croix. Une activité zen mais difficile. Bah, ça va pas être zen du tout alors. Requiert de la concentration et précision. Atteint la hauteur cible pour valider le défi. Très bien, on va essayer. C'est cool, il y a plein de petits trucs comme ça à faire. Alors du coup, ah voilà. Je pivote. Je change d'endroit. Ah oui, alors attendez. Ça va pas être pratique parce qu'on voit pas bien. J'ai jamais arrivé à atteindre cette hauteur là, moi. Bah déjà, on est mal. Ouais, mais là, ça tombe déjà, quoi. Je peux pas changer. Celui-là, il est plus gros, il tiendrait mieux en bas. Ça tiendra jamais. Ouais, voilà. Loupé. Non, mais j'y arriverai pas là. Mais il faudrait que je puisse enlever la deuxième pierre, là. J'ai foiré. Comment je fais? Je peux pas quitter, en plus. Rotation, rotation, lâcher la pierre. Enlever la pierre. Ah, voilà. Bim, bim, bim. Je vais mettre celle-là, moi. Celle-là est pas mal. Comment je fais pour avancer? Parce que là... Je fais des rotations, mais j'avance pas. D'accord. Comment je fais? J'arrive même pas à mettre plus de deux pierres, moi. Pourquoi je peux pas? Avec les flèches, peut-être? Attendez. Rotation verticale. Rotation horizontale. On vise avec ça. Ouais, d'accord. Mais ça vise pas en profondeur.
On est obligé de continuer ce truc. Je sens que ça va vite m'énerver. C'est censé être zen, bah pas du tout. Bon, allez, enlève la pierre. Enlève la première, mais celle-là, elle est bien grosse. Plate. Faut que j'arrive à la... Comme ça. Même pas, ce serait plus stable là. Voilà. On est pas mal. On est pas mal. Celle-là, par contre, elle va être chiante. Si je peux l'enlever, je l'enlèverai. Mais non, pas celle-là. Oh merde! Bon, c'est pas grave, ça ira quand même. Mais non, je veux valider. Ah, à chaque fois que je veux valider, j'enlève le truc. Ok. Ça va être haut, hein, j'y arriverai jamais en fait. On monte quand même. Je me débrouille. Merde. Prends-en une autre. Elle est pourrie celle-là. Mais non! Oh punaise. Si je me gourre, on est mal. Hein. Ça peut durer longtemps. Je pense que c'est mieux comme ça. On peut pas la pivoter en fait, ça c'est chiant. Oh punaise. Là, c'est la tour de Pise, mon truc. N'empêche que je suis à 60% du truc, hein. Je me débrouille. On l'a loupé, hein. Ouh là là. On va enlever, on va mettre celle-là, ce sera plus stable. Mais non! Oh punaise, pourquoi à chaque fois j'enlève les pierres, je suis pas loin. Celle-là, elle va être chiante, mais par contre, elle est assez haute. Oh mais non, mais qu'est-ce que je fous? Voilà. Voilà. Enlever celle d'avant. Non, bon bien sûr, ça loupe. La petite tient, mais par contre là pour aller au-dessus avec ça, ça va être chiant. Hein. On se le tente, mais... Ah, ça tient. Bon là par contre c'est galère. En vrai c'est rigolo quand même. Yes, 100%, on a réussi. Super. L'empilement de galets. Activité découverte, les mélodies d'âme. Encore une nouvelle activité. Bon, après, on s'arrêtera quand même. Donc, débloque une mélodie, affiche la liste des mélodies, joue une mélodie, d'accord. Terminer les empilements de pierre débloquera à chaque fois des mélodies d'âme. Une fois appris, ces airs mystiques peuvent être joués avec ton ukulélé pour déclencher divers effets. Tu viens d'apprendre à contrôler la course du soleil, continue de trouver des empilements de pierre et ton ukulélé deviendra un outil incroyablement puissant. Ah, c'est top ce truc! Ok. Donc le ukulélé, c'est comment déjà? En plus? Il est où le ukulélé là? Mini-carte? Aide, ok. Règle l'heure sur minuit en utilisant la mélodie d'âme. Bah je veux bien. Ah oui, il faut que je joue ici peut-être. Au feu de camp. Oh merde, je crame. Je suis en train de cramer. S'asseoir. On va se terminer là-dessus. Jouer du ukulélé. Parce que c'est sympa. Bah non, pas mode libre. Non, non, non. En mode libre, non, 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 mais non. Il y a pas les... J'ai débloqué un truc, là, une mélodie, là. Merde. Attendez. J'ai trouvé une mélodie d'âme. Comment on fait pour la jouer? Non, les tenues, je m'en fous. Je veux la mélodie.
Les notes hautes, gratter vers le bas, nanana, modifier la... Ok, choisissez un accord, ok, changer la hauteur... Mais je m'en fous, moi, de ça. Bon, on va quitter le truc, c'est peut-être pas ici. On doit pouvoir le jouer n'importe où, normalement. Ah, ukulélé, flèche, ok, voilà. Alors, mélodie dame, qu'est-ce que je dois faire, là? Attendez. Voilà, alors... on veut le minuit, donc c'est ok. C'est cool, ça fait limite penser à Zelda Ocarina of Time. Avec l'ocarina et les musiques. Dors au feu de camp. Bim. Je voulais attendre qu'on soit lâché pour arrêter la vidéo. Pour l'instant, c'est un peu encore le didacticiel. Voilà, près du bateau. Qui est, je me souviens plus d'ailleurs. Là-bas. Je suis là. Montre-moi comment naviguer. Ah, on a une boussole. Yes. Boussole, lampe torche. Oleti. Donc c'est ça l'édition qui... Il y a une deuxième édition, c'est l'édition Oleti. Avec des bonus en jeu, peut-être des tenues. Boussole et lampe torche. Très bien. Donc avec le joystick de droite, c'était la carte. Et la lampe torche, la flèche du haut. Une boussole pour t'aider à te repérer dans l'archipel à utiliser avec ta carte. Ah, c'est pas la même chose. Ok. Une lampe torche pour trouver ton chemin la nuit. Très bien, c'est parti. Alors, le bateau. Donc, avec le joystick de gauche, c'est pour la vitesse. On dirige avec la droite et on jette ou on lève l'ancre avec carré. Ok, bon, allez, hop. Donc, voilà. Ouais, la caméra, en gros, c'est ça. La lampe torche, c'est ça. Mais je pense qu'on peut peut-être pas l'activer ici. Yes! Ça y est, on entre dans Chia. Ah oui, donc là, en vrai, je dois aller... Oula. Comme je suis nul en repérage, même la boussole, ça va être compliqué. Ah, c'est chouette, hein. Les musiques sont sympas, en tout cas. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo, du coup, hein. On a fait le début de Chia. Donc c'est la fin de cette vidéo sur Chia, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!